exactement 17h. Oui, je sais, il fait nuit, c'est pas tout à fait normal, mais il est 17h, vous voyez. Quand on décide de prendre le micro et de dire ce qu'on veut, voilà, on nous croit, il y a des milliers de personnes qui ont une autre heure. Mettons nos pendules à l'heure, c'est l'heure du thé, tea time. 17h en France, 16h en Angleterre, dans les quartiers nord de Marseille, le thé à la menthe, c'est toute la journée. Voilà. Un soupçon de lait, comme à Amiens. Quelques morceaux de sucre, du miel pour faire passer la pilule. C'est l'heure du thé. Cup of tea, it's tea time. Quoi qu'il se passe dans votre vie, dans le monde, mettons nos pendules à l'heure. L'heure du thé, c'est très important. A tea for two and two for tea. A man for me, a girl for you. Tea for two and two for tea. Normalement, vous avez du thé qui passe par nous, du thé chaud, du thé aphrodisiaque, du thé gris, du thé vert, du thé à la menthe, je répète. Choisissez, faites vos choix. Changez des fois, ne prenez pas trop d'habitude. Quoique. It's tea time. En fait, je gagne quelques secondes, je ne sais plus pourquoi. Peut-être pour vous montrer un truc formidable dans 2 minutes. Seconde, 1 minute. Il n'y a plus 1 minute à perdre. Et moi, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de thé blanc, transparent. Je goûte. C'est toi qui mets des pétales. Bon, ça n'y a rien à faire avec eux. C'est à votre cas, je crois qu'ils ne se mettront jamais là. It's tea time. Sorry, I don't speak Russian. Je ne parle pas russe. It's tea time. Ok, bon. Alors, mettons nos pendules à l'heure quand vous êtes. A man for me, a girl for you. Tea. C'est l'heure du thé. Vous vous demandez ce qui se passe. C'est juste une petite mise au point, vous voyez. Pour pas croire que le spectacle fait tout dans la vie. Des fois, on remet ses pendules à l'heure. Grâce à Big Ben. Ou tout autre. L'heure du thé. Je pense au quartier nord de Marseille, qu'on a envie de marquer, et qui pourtant boivent du thé à la menthe. Tous les passagers du cargo sont inquiets, vous entendez? Tea for two and two for tea. Tu viens danser avec moi, c'est ça? You want to do that with me?
and the significant speech of attached to that report can hardly be exaggerated. In my opinion, it was a warning of the most vital importance. He would have stopped the ship altogether and waited for daylight to feel his way through. Anyhow, the long and short of it is neither he nor I nor any other officer in the ship got that message. The thing works so noisy in those days they are now, but the town went absolutely quiet. The great hush descended on the town because I don't think that there was hardly a single street in Southampton